Une patate de corail est formée de petits invertébrés marins que l'on appelle les polypes. Ils se reproduisent en bourgeonnant ou en rejetant des œufs qui seront fertilisés par d'autres polypes. La larve, de la taille d'une tête d'épingle, commence sa vie en nageant librement. Elle se fixe sur une surface dure et n'en bougera plus. Elle devient alors un polype qui n'est pas plus grand que la gomme d'un crayon. Lorsque celui-ci meurt, ses parties molles se désagrègent, mais son squelette accueillera à son tour d'autres polypes jusqu'à former une structure gigantesque. Il se nourrit de zooplancton et vit en symbiose avec une algue qui, en échange de nourriture, l'aide à construire son squelette. Le corail grandit de 5 à 18 mm par an. C'est une forme de vie parmi les plus anciennes et les plus primitives, apparue il y a 500 millions d'années. Il est une erreur extrêmement fréquente de croire que le corail ne peut se développer que dans les mers chaudes. On sait depuis plusieurs siècles que les mers froides hébergent des récifs coralliens, fort poissonneux. Les principaux prédateurs des massifs coralliens sont les poissons perroquets, les poissons chirurgiens et les étoiles de mer. Beaucoup de récifs coralliens meurent malheureusement, victimes de la pollution et du réchauffement de la planète. Plusieurs espèces de loches sont présentes dans le lagon. Elles appartiennent à la même famille que notre mérou de Méditerranée. Les plus prisées par les pêcheurs sont la loche bleue, avec sa robe blanche tachetée de bleu, et la loche saumonée, avec sa robe rouge et ses petits points bleus. Elles peuvent atteindre une taille d'un mètre et peser jusqu'à 20 kg. Toutes deux ont une chair excellente. Les tasards comme les thons à dents de chien, les wahous et les bonites sont des poissons du large de la même famille que les thons. Les jeunes spécimens rentrent volontiers dans le lagon en été pour se nourrir. Ce sont des poissons très puissants qui exigent l'emploi d'un matériel adapté. Le plus gros spécimen capturé par un pêcheur pesait 70 kg et mesurait 2,40 m. Quand on va commencer à pêcher une patate dans le lagon, on va attaquer la patate sur ses alentours. On ne va jamais y aller directement dessus. Parce que y aller directement dessus, ça ferait fuir tous les poissons qui sont autour et ça ferait rentrer toutes les loches dans les trous. Donc on va d'abord pêcher sur les alentours pour essayer de faire venir les poissons blancs. Et généralement, on va commencer à pêcher les poissons blancs. Et ça va faire venir les autres poissons qui seront intrigués donc par le bruit des poissons qui se débattent, puis par les écailles et par également le sang. Hein, ça va faire venir, ça va créer de la vie, ça va faire venir les loches tout autour de la patate. Donc là, on va vraiment se tenir écarté de la patate et pêcher à la gâchon. Ça prend à peu près une heure pour exploiter les alentours d'une patate, où on va faire uniquement une pêche à la gâchon. Ici, les poissons sont toujours sur le qui-vive par rapport aux requins et par rapport aux prédateurs. Ils sont toujours un petit peu en instance de démarrage. Même sur des agachons, sur des loches bleues qui vont se tenir à distance, elles vont toujours être sur le qui-vive pour démarrer et mettre des démarrages, revenir, partir, revenir. Et c'est toujours... C'est toujours des poissons qui sont très durs à attaquer. Donc on a des arbalètes qui sont très longues, justement pour permettre des tirs de loin. Et généralement, à peine le tir est parti, que le poisson a déjà démarré. C'est des poissons ici qui sont très très vifs. Même des poissons très petits ici vont développer énormément d'énergie. Donc le moulinet est impératif, car même quand on pêche sur un fond de 20-25 mètres, dès qu'on a tiré le poisson,
il va falloir de suite un petit peu dévider de fil pour pouvoir regagner la surface parce que c'est des poissons qui sont très combatifs. On va retrouver en chasse aux marines profondes en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment ce qu'on retrouve en apnée profonde, c'est-à-dire la notion de binôme, la notion de sécurité. Donc quand on le voit décoller du fond, quand on sait que ça fait longtemps qu'il est resté, on va simplement descendre quand on sait qu'on va le retrouver aux alentours de 15-18 mètres maximum. Il y a une notion aussi d'économie. Si à chaque fois qu'on fait la sécurité de quelqu'un, on doit descendre à mi-profondeur pour aller le récupérer, on s'épuise nous aussi, donc ça va limiter nos performances. Qu'on va aller le chercher dans la zone des 10-15 mètres maxi. Et puis là, soit il n'a pas tiré de poisson et simplement on va le saisir par la ceinture ou sous le bras pour l'aider à remonter. Dès qu'il sent qu'on le saisit, il se laisse faire, il se laisse remonter. Soit on va aller le soulager parce qu'il tient un poisson qui travaille énormément. Donc on va aller lui prendre son arbalète et le laisser remonter par ses propres moyens. Il est très rare que les apnées très profondes et très longues ne se finissent pas par le soutien d'un autre en surface. L'intérêt de la chasse sous-marine dans le lagon calédonien, outre l'eau chaude et généralement claire, c'est cette extraordinaire diversité d'espèces de poissons que l'on peut y rencontrer. C'est d'ailleurs assez déroutant les premiers jours lorsque l'on arrive pour la première fois de la métropole. Même si l'on a pris la peine de se documenter avant le départ, sous l'eau, c'est une autre histoire. Les différentes espèces de perroquets, par exemple, qui sont facilement identifiables par leur couleur vive sur une planche photo ou à la surface, mais qui le sont beaucoup moins à l'agachon, sur le fond, lorsque les couleurs ont disparu. Et toutes ces espèces inconnues aux noms exotiques qu'il faut apprendre à reconnaître avant de tirer, car tous les poissons du lagon ne présentent pas le même intérêt gustatif. Si beaux soient-ils, ils ne sont pas tous inoffensifs. Il faut savoir par exemple manipuler les chirurgiens avec précaution, car ils sont armés d'un véritable scalpel à la base de la nageoire caudale. Enfin, s'ils ne sont généralement pas agressifs, les requins sont relativement nombreux et omniprésents dans le lagon. C'est vrai que les accidents sont très rares et le plus souvent dus à des imprudences. Cela n'empêche qu'il faut s'habituer à leur présence à nos côtés, donc apprendre à rester vigilant en toutes circonstances. Par contre, les grands requins du large, ceux qui ont mauvaise réputation, sont beaucoup plus rares dans le lagon ou suffisamment craintifs pour ne pas trop se montrer. Les apnées s'enchaînent à raison de 8 à 10 par heure. Toutes ne sont pas fructueuses. Mais nous ramènerons bien assez de poissons pour préparer le repas du soir et celui du lendemain. Pour agrémenter la salade tahitienne à base de chair de poisson cru, de jus de citron vert et de lait de coco, ce coquillage, le bénitier, fera merveille. Sa chair fine au goût de noisette est très prisée dans cette partie du Pacifique.
Qu'on a commencé la chasse aux marines, mon frère a de toute façon toujours été meilleur que moi en chasse. Il a toujours été beaucoup plus fin, il a toujours eu beaucoup plus de chance que quiconque sur terre. Quand il y a un billet qui traîne par terre, c'est pour lui. Quand il y a un billet qui traîne sous l'eau, c'est pour lui. Je l'ai déjà vu trouver des billets de 50 et 100 francs sous la mer. À l'époque, on était petits, qu'on séchait les cours pour aller pêcher les poulpes sous le musée océanographique de Monaco. Quand le poisson était à droite, on partait tous à gauche, lui il allait à droite, il le prenait. Quand il était à gauche, c'est lui qui allait à gauche, il le prenait. Il a vraiment ce qu'on appelle le sens du poisson. Et c'est quelque chose qui, je pense, il a énormément aiguisé ici. Alors, le poisson, on a vraiment l'impression que le poisson est plus simple ici. Peut-être simplement parce que l'eau est claire, parce que le poisson est peut-être plus curieux, et surtout parce qu'il y en a plus. Et on serait tenté de croire que quand on vient ici, c'est pour attraper beaucoup de poissons et jouer du fusil. Et pas du tout. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il est rare qu'on fasse... de très très grosses pêches. Alors bon, c'est sûr, quand on est 4-5 dans l'eau, on a vite fait de remplir des glacières, hein, mais on tire pas 15-20 fois à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de dire, on a besoin de ça, on prend ça, et puis voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens avec qui on pêche ici, mon frère, ses amis, nos amis maintenant, sont pas ce qu'on appelle des tueurs, justement. Ce sont des personnes qui se régalent et qui pêchent et qui vivent une passion en commun. Et cet esprit, cet état d'esprit, lui, il l'a gardé et peut-être même qu'il l'a donné aux autres. Après 3 heures de chasse intensive sur les patates de corail, la fatigue commence à se faire sentir. Il est temps de rentrer au bateau pour casser la croûte et reprendre des forces. La pêche a été bonne et variée. Il faut maintenant rapidement mettre le poisson au frais. Bon, maintien, on peut se faire. On va virer ça. On va virer le seau. Ok. C'est quoi là, ça? Tu me donnes. Oh là, il met un petit panaché de poisson là. Là. Tout le monde connaît celui-là, le tazard. Le tazard, ouais. Le tazard bonne. La saumonée rouge. Saumonée rouge, ça c'est les perroquets bleus. C'est les perroquets à bosse bleue, ça. Ah, ouais, hein. Bleu, ouais. Ça c'est le perroquet Elvis. Nous on l'appelle le perroquet Elvis, mais c'est le perroquet banane. Famille des labres. Ah, les perroquets. Ouais. C'est pas un perroquet, ça c'est l'arbre. Ça c'est un kingfish. Ah non, c'est une corne amoureuse, même pas. Non, c'est une corne grise. La corne des sables. La corne des sables. Je croyais que c'était un gris au départ. Ça, c'est mon poisson préféré. Ça, c'est bon. Mais quoi, Laetitia? Elle a fait du poisson. Elle a fait le sashimi en fait. Un grand prédateur. Le mais quoi? Là, on a encore de la saumonée. Là, on a de la loge bleue. Qui c'est qui l'a fait, ce perroquet bleu là? On a de la loge bleue ici. Qui c'est qui a fait celui-là? C'est moi. Ils ont ces couleurs là, ouais, voilà, cool, la loge bleue et puis. Et là on a le bec de canne. Bec de canne. Oui.